Bon, j'ai tenté un truc. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Est-ce que vous aimez la mangue? Ça m'intéresse sans plus. Bonjour. Est-ce que vous aimez la mangue? Ça m'intéresse sans plus. Merci, au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Est-ce que vous aimez la mangue? Ça m'intéresse sans plus. Salut, je suis le petit frère de Carlito. J'ai pris son Instagram en main. Ben voilà. J'ai pas encore de compte Insta. Mais c'est trop marrant que mon grand frère soit youtubeur et tout. Bon Jordan, ouais. On se casse? Ouais, allez. Jordan, oui. On se casse? On y va. Allez. Bon Jordan, ouais. On se casse? Ouais, on y va. Allez. Hey Jordan, ouais. On fait quoi là? On se casse. Vas-y. Il a tué le stagiaire. J'ai toutes les gardes. Bon Jordan. Ouais, c'est moi là. On fait quoi là? Ouais, je pense qu'on va y aller. Vas-y, on se casse. Bon Jordan. Ouais. On y va? Ouais, on y va. Vas-y. Bon Jordan. C'est moi. Ouais, on y va? Bah écoute, on peut y aller. Allez. Ouais. Bon Jordan. Ouais. On y va? Ouais, on y va, on se casse. Allez. C'est pas possible! Passé chez ma mère vite fait et j'ai retrouvé mon piano. Donc je vais en profiter pour vous faire passer un petit message. C'est pas parce qu'il fait froid qu'il faut arrêter de prendre des douches. Merci. Je suis repassé chez ma mère vite fait et j'ai retrouvé mon piano. Donc je vais en profiter pour vous faire passer un petit message. Arrêtez d'essuyer votre morve avec vos doigts et de remettre vos mains sur la barre. Merci. Je suis repassé chez ma mère vite fait et j'ai retrouvé mon piano, donc je vais vous faire passer un petit message. Si tu pousses pour rentrer dans le métro, nique ta mère. Si tu me colles au portique, nique ta mère. Si tu laisses pas ta place alors que le métro est blindé, bah nique ta mère. Si tu regardes sur mon téléphone. Et pour la dernière fois, je te demande si tu prends le métro par respect pour toi et pour les gens. Mais un peu. Écoutez, je ne sais pas quel sport se pratique dans ce stade, mais je le trouve assez stylé, donc je vous le montre. Écoutez, c'est juste que je suis amatrice de belles structures. Voilà, j'adore les structures. Bon, par contre, le temps est un peu moyen aujourd'hui, du coup, j'ai une belle tête de con avec cette capuche. Bonjour. Oui. Génial. De ces chanteurs-là, disons français, des auteurs français, c'est que... C'est très théâtral. Ouais, bah donc oui. Pour moi, c'était vraiment génial. C'est des vraies histoires, quoi. Oui. Donc, quand moi, je fais des spectacles, même si toi, t'es un anglophone puis tu m'embauches, tu sais... On commence la journée de manière très difficile. Oh là là, le plaisir. C'est trop chaud. On va pas se cacher que c'est un plaisir. On est bien posé dans l'eau, là. J'ai pété dans l'eau. Rigoler Antoine. Nous allons descendre ici visiter des grottes. Ça part en luge. Là pour le moment on monte et après on va se faire une énorme descente jusqu'en bas. Bah, c'est on pas mal, hein. Mais attendez, vous ressemblez à un ami, en fait. Vous ressemblez à Ludoc. Nice to meet you. Ah, pardon, je vous ai confondu, désolé. Attends, j'ai tenté de le faire, vas-y, bouge pas. 1, 2, 3, yes, voilà, yes.
Ouais, nickel. Vas-y. J'ai un mal de dos, moi. On garde le rythme. Allez, la chaîne, c'est parti. Bah, pas tout directement, c'est plus rapide. Yes, on accélère le rythme. Hop, vas-y, direct. Allez, plus vite que ça, les mecs, on accélère. Un petit peu de pub pour mes potos de My Troopers qui sont un peu les déménageurs de l'extrême, on peut le dire, qui sont venus chez moi pour m'aider à déménager. Contactez-les, ils sont très très bons. Alors on décore l'appartement pour une nouvelle vidéo, je vous laisse deviner quelle est la thématique. Pâques ? Ou alors la chandeleur ? Yes ! En fait, l'installation de mon décor d'Halloween prend tellement de temps que quand on aura fini, bah, ce sera Noël ! Yes ! En fait, je suis un peu le sniper de la journée, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux à toutes mes vannes. Oui. Voilà. Ça sort par les dents. Donc voilà, le tournage se passe très bien en fait, hein, tranquillement, on fait les petits bails. Voilà. Ah! Dis donc Transavia, on avait un petit vol ce matin à 6h30 avec nos deux enfants en bas âge et ma femme. Et puis vous nous avez débarqué parce qu'il y avait une hôtesse de l'air qui était malade et qui ne pouvait pas prendre 4 personnes de plus alors que tout le monde est rentré dans l'avion. Donc pas de bol pour vous, c'est moi, c'est con. Je dis pas que je mérite un traitement particulier, loin de là. Mais malheureusement il y a beaucoup de gens qui me suivent. Alors maintenant vous allez savoir que Transavia, c'est pas une compagnie géniale quoi. En tout cas ils sont très mal organisés. Et en plus, quand j'ai récupéré ma valise, allez je vous montre comment j'ai récupéré ma valise en plus de m'être fait virer. Donc je ne saurais que vous conseiller de ne jamais, au grand jamais, prendre un avion avec cette compagnie aérienne. Voilà, prenez d'autres choses. Voilà, à pied, c'est plus rapide pour l'instant. À pied, c'est plus rapide que tout. Merci. Les vieux qui disent ça, remettez-vous en question, s'il vous plaît. Non, non, mais la France, c'est plus ce que c'était, si vous voyez ce que je veux dire. Non, non, mais les jeunes, ils sont juste flemmards du travail, il y en a un, c'est juste qu'ils fument des joints toute la journée, c'est tout. Moi, à l'époque, je bossais 26 heures par jour, moi, je bossais. Je travaillais sur les chantiers, il faisait moins 14 degrés sur les chantiers, j'allais bosser. Je me levais à 2 heures du matin pour aller dans les mines de charbon, j'en pouvais plus, parce que j'avais 5 mois à nourrir et je les déteste, j'ai jamais aimé. Maintenant, les jeunes avec Instagram, avec Twitter, machin, c'est devenu des gros cons. Ma femme, à l'époque, j'ai rencontré, elle avait des Birkenstock, je suis tombé amoureux. Nous, quand c'était Noël, on n'avait pas de PlayStation, de Xbox, on avait une mandarine et en cadeau, on avait une tarte à la gueule. Et hier, ma petite fille qui m'annonce qu'elle veut être Instagrammeuse en gagnant sa vie avec des moins 10% sur du thé à la con, la putain de Sarah. Ah bah tiens, allez là, tiens, regarde-moi. Regarde-moi, c'est ça que tu veux faire ta vie. Enfant de putain. Je vais rejoindre mon petit mari qui m'attend. J'ai fait une petite popote, voilà. Il y a le petit trottoir qui est là, qui est... Oup là, voilà, c'est vrai que c'est jamais évitant. Alors, il est où ce con? Il est où? Ah, il est là, il est là. Voilà, je m'appelle Steph, j'ai une start-up. Ouh là là, il est quelle heure? Je mets mon petit bracelet que j'ai acheté sur Amazon pour faire mon petit footing. Ce soir, c'est 8 km les cocos, 8 km. Alors ce soir, j'espère que je pourrai enfin lui mettre ma jolie pétée. Voilà, j'ai mis mes plus belles chaussures ainsi que ma plus belle montre. Vive, oh, bah, je crois qu'elle est là. Je traverse, voilà. Voilà, je suis une femme indépendante, je suis active. Là, je vais au sport. Voilà, là, je. Allô, ouais, voilà, allô. Hop là, le petit trottoir toujours. Je m'appelle Bernard, j'en ai marre. Personne ne me laisse traverser. Il y a un passage piéton, il y a des règles, c'est fait pour être respecté. J'en ai marre. Je vais vous manger vos morts et à cœur de vos morts. J'en peux plus. J'en peux plus, je vous dis. Je vais manger des rats et manger des enfants. Donc là, je prends Hugo et Hugo, bah, je l'ai pépon quoi. Et là, il me dit, mets-moi dans le cul. Mais sauf que quand j'écartais mon cul, il y avait plein de drogue. Je prenais de la drogue à l'époque. Le 18e, c'est plus ce que c'était. Ah, je m'appelle Brenda. J'utilise pas de sac plastique parce que je suis écologique. Je mange mon caca, je mange du quinoa. Allez, vas-y. Je m'appelle Sonia. Je suis jeune cadre dans une entreprise. C'est super sympa. Je gagne 1004 par mois. Voilà. Je m'appelle Lionel. Je suis un peu putain. Qu'est-ce que tu fais, Régine? Bouge-toi le cul. Je m'appelle Lionel. Voilà. Ma femme voulait aller en vacances. Elle m'emmerde. Du coup, je marche devant elle. J'en ai rien à foutre de sa gueule. Attends, mais Lionel, mais putain, mais. Je m'appelle Régine et j'ai un jean rose. J'avais pas trop d'inspi sur celle-là. Je m'appelle Sylvie. Voilà. Je suis conseillère financière à la banque. Et c'est vrai que voilà, j'aime bien faire mes petites courses. Attention de trottoir. Voilà, c'est vrai que c'est plutôt sympa Paris en journée, surtout à 16h. Je m'appelle Gérard, j'ai fait l'armée. J'aime la bagarre. La France c'était de la merde, j'aime la castagne. S'il y en a qui. Ouais, deux whisky s'il te plaît. Et là... Oh, écoutez Gustave, c'est vrai que cet arrondissement est plutôt sympa, voyez-vous. J'aime bien manger, donc du coup j'ai un petit ventre et voilà.
Allons prendre cette fameuse pété. Moi, j'organise les partous. Moi, il me dit quoi? Il me dit j'ai 12 rebeux. Mais moi, j'ai pas les rebeux, moi. Alors, il m'appelle. Il me dit Tatiana, elle est pas disponible. Mais moi, je lui dis c'est bon. Moi, je veux quoi? Il veut la bite. Il veut ma bite. Et les championnats de France de départ au feu rouge, c'est pour moi cette année, le passage piéton. Et je suis parti. Je suis en tête de course devant tout le monde. Et c'est parti. Et là, on va chercher la chevauchée. Là, que je me mets à traverser au rouge. Mais enfin, Clémentin, allez dans le métro prendre du crack. Bruno disait je pouvais pas conduire à une main. Hop là. Dans le cul, Bruno. Allô. Toutes les femmes de Paris, moi j'ai les baisers. Moi maintenant je suis à la retraite, j'ai mis les lunettes. Moi c'est ma vie. Mangez. Ça sent un caca. J'ai pas le physique pour être sur un vélo, mais c'est pas grave. J'ai pas le physique pour être sur un vélo. Pour à Paris, il faut être à l'aise. À la façon d'Amza, il faut cuisiner la sauce. Les bâtards, ils m'ont vendu la moitié du pantalon, les bâtards. Moi, je vais aller à Décathlon, tu vas voir, ils vont m'entendre. Julie, ils vont l'entendre, hein, Julie.